Eh bien, c'est des dialogues, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est un mélange que nous souhaitons d'interventions de personnes qui ont travaillé sur leur spécialisation et qui vont nous parler de leur regard sur la médecine intégrative, mais c'est aussi le moment où on peut échanger. Donc, n'hésitez pas à poser des questions qui vous intéressent ou à apporter votre propre témoignage si vous le souhaitez. Voilà, je passe la parole à Jean. Excusez-moi, je ne me suis pas présentée, je suis Dominique Picard. Voilà, merci Dominique. Je voudrais, avant de démarrer cette session, remercier aussi Maguelone Gilbert Vidal qui avait initialement conçu cette session qui nous réunit. Elle a eu quelques problèmes familiaux avec un décès, donc on est tout cœur avec elle et je voudrais lui dire toute notre affection. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet tout de suite puisque nous avons un temps relativement limité pour traiter de quelque chose qui est extraordinaire. C'est la façon dont on peut appréhender l'être humain quand il est en difficulté, que ce soit physique ou que ce soit psychique ou que ce soit une combinaison des deux. Donc, on essaye de ne pas trop parler. Pardon ? Non, c'est simplement, pensez bien à couper vos micros quand la personne parle. Voilà, il faut que tous les autres aient coupé leur micro, sinon on entend les bruits qui sont adjacents. Donc, on a réuni aujourd'hui des personnes qui ont des approches différentes autour des mêmes problématiques, l'usage de l'argile. On a Jade Allègre, le docteur Jade Allègre, qui va nous rejoindre un peu plus tard, qui est en train d'arriver à la gare et qui va aller jusque chez elle. On a l'ostéopathie, on a le soin par les plantes, on a l'homéopathie, on a tout ce qui est l'énergétique chinoise et ce qui est autour, l'EFT, la physio-résonance, la musique même et les sons. On a tout un tas d'approches qui sont extrêmement intéressantes, qui sont efficaces, qui marchent, mais on est aussi à une époque dans laquelle les autorités médicales dans un certain nombre de pays cherchent à faire place nette, éliminer un certain nombre de choses pour ne garder qu'une fraction de ce qui soigne, de ce qui aide, de ce qui permet de s'en sortir. Et donc, arrêtez d'enregistrer parce que c'est juste des généralités. Pardon? Pardon. Non, c'est encore de la conversation parasite, excusez-moi. Pardon, c'est la conversation parasite, excusez-moi. Sans plus attendre, puisque nous avons cette possibilité de concevoir les choses dans leur ensemble, je vais passer la parole à Lucille Cornet-Vernet, qui est orthodontiste et qui a fait la promotion de l'Artemisa annua, d'une façon assez extraordinaire, puisque une association qui fonctionne dans 23 pays dans le monde avec quelque chose comme 80 centres, mais on entend dire beaucoup que cette plante, on l'interdit maintenant. On ne sait pas très bien pourquoi, mais Lucille va nous en parler. Bonjour à tous, donc merci de m'avoir invité, merci à Maguelone avec qui je travaille beaucoup au Mali et c'est comme ça que je vous ai connue. Donc oui, il y a 8 ans, en fait, j'ai créé cette association avec un ami qui a été sauvé par une tisane d'Artemisia annua au fin fond de l'Éthiopie où il marchait, c'est Alexandre Poussin, et une sœur d'un petit dispensaire de brousse lui a donné cette plante en tisane, et cela donc l'a guéri d'une crise de paludisme qui commençait à être grave. Donc, après cela, j'ai pendant plusieurs mois travaillé sur la bibliographie parce que je suis d'origine scientifique, chirurgien dentiste spécialisé en orthodontie. Donc, les microbes, je connais pas mal, ceux dans la bouche, on en a beaucoup, mais le paludisme, je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la biblio et puis rencontré beaucoup de chercheurs un peu partout. J'ai pris un peu mon bâton de pèlerin pour rencontrer les gens qui travaillaient sur cette plante en totum et non pas en extrayant
simplement un principe actif très connu aujourd'hui, qui est l'artémisinine et qui est le médicament, j'allais dire, principe des accès palustres aujourd'hui recommandé par l'OMS, qui guérit très bien la plupart des paludismes. Aujourd'hui, donc, nous avons réalisé, je vais faire assez court si on n'a pas beaucoup de temps, donc, on a réalisé et fait réaliser un certain nombre d'études parce que l'une des missions de notre association, c'est d'accélérer la recherche sur l'Artemisia annua et puis aussi sur l'Artemisia afra, qui est la petite sœur africaine de cette plante. Qu'est-ce qui est intéressant par rapport à votre thème de médecine intégrative aujourd'hui avec une plante? Comme tout être vivant sur la Terre, les plantes se défendent aussi contre ce qui les attaque et ils ont aussi des agents pathogènes qui viennent les déranger. Et les plantes elles-mêmes sont capables de fabriquer, on va dire, un certain nombre de molécules et de cocktails de molécules qui vont, bien entendu, les guérir ou augmenter leur système immunitaire pour combattre ces agents pathogènes. Et c'est ça, finalement, qui, nous-mêmes, en ingérant ces plantes ou ces extraits de plantes, en fait, permettent à notre corps aussi de se défendre contre nos propres agents pathogènes, nos propres attaques. Et l'artémisinine, cette molécule extrêmement connue et extrêmement étudiée, en est un exemple absolument parfait qui est étudié dès la première année de médecine. Donc, nous, notre cœur, en fait, de mission, à part accélérer cette recherche, c'est de permettre, en effet, à des populations les plus vulnérables ou défavorisées sur cette planète, qui vivent en zone impaludée, donc c'est toute la partie subtropicale de la Terre, hein, donc c'est la moitié des habitants de la Terre, de pouvoir avoir recours, en fait, à cette thérapeutique qui est un, qui est une synthèse de centaines de molécules. Donc, c'est très, très difficile à étudier. Et c'est pour ça que dans la médecine dite allopathique, on aime étudier une molécule par une molécule parce que sinon, c'est beaucoup trop compliqué. Eh bien, voilà, c'est de pouvoir mettre à disposition de ces populations vulnérables une tisane qui est donc très simple à préparer de plantes qu'on connaît quand même relativement bien mais qu'il est important de connaître encore mieux et pour pouvoir les soigner à moindre frais et de façon naturelle et de façon bien entendu quand même sécure comme on dit, hein. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes je pense une centaine en France à travailler sur cette plante autour de nous et puis un peu plus loin de nous, j'allais dire. Et puis dans les pays africains en particulier, mais aussi dans d'autres pays du monde, je pense que nous sommes 1500 à peu près. Donc c'est une vraie communauté aujourd'hui avec beaucoup de métiers différents parce que nous avons des botanistes, des ethnopharmacologistes, nous avons... bien entendu des médecins, des paludologues, des biochimistes, énormément de personnes du monde médical, mais beaucoup aussi du monde agronomique pour nous aider à sélectionner les semences en fait qui s'adaptent petit à petit dans les différents biotopes d'Afrique, parce que au nord du Sahel à la barrière tropicale, ce n'est absolument pas les mêmes conditions pour ces plantes. Donc voilà, donc nous avons un gros travail à réaliser et déjà réalisé au niveau agronomique. Et puis, alors vous posiez la question tout à l'heure de comment faire du, entre guillemets, du lobbying, comment faire connaître en fait tout cela. Donc nous avons aussi une équipe assez importante de communication pour petit à petit faire vraiment partie du paysage en fait dans la lutte contre le paludisme, qui est la première pandémie mondiale, hein. On a beaucoup parlé du coronavirus ces derniers temps, mais la première pandémie c'est le palu, et donc voilà, que nous puissions peser en fait dans l'échiquier des soins de première intention contre le paludisme et avec une plante qui est un bien commun. Et donc
c'est pour ça que nous sommes une ONG, maintenant une fondation, qui donc mettons au milieu de la table un bien commun qu'il faut étudier, donc trouver de l'argent pour pouvoir permettre aux populations d'avoir une garantie quelque part d'être voilà tout notre travail. Voilà, maintenant je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Une petite question très brève, Lucille. Vous avez eu l'oreille du président de Madagascar et on peut comprendre pourquoi, puisqu'il y a un impact sur la malaria. Est-ce que vous diriez à ceux qui, dans la médecine allopathique, la partie allopathique de la médecine, réfléchissent en termes de la molécule qui va contrer tel effet, que dans l'artémisia, il y a un ensemble de molécules et que c'est peut-être pour ça qu'elle est plus efficace? Alors, on ne peut pas dire qu'elle soit plus efficace. On peut dire qu'elle est efficace. En fait, les plus, les moins, c'est que des études qui peuvent le dire. En revanche, elle est efficace. Et donc ça, nous, on a fait des études. D'autres en ont fait aussi. Il en manque encore pour pouvoir convaincre, j'allais dire, avec les mêmes armes ou avec les mêmes outils que la médecine allopathique, qu'une plante est au moins aussi efficace. Vous avez vu la difficulté avec l'histoire de l'hydroxychloroquine très récemment, des études cliniques. Elles sont toutes contestables ou presque, mais il y a quand même des règles qu'il faut, qui sont importantes quand même à respecter et qui permettent aux gens de pouvoir se soigner, j'allais dire, de façon la plus efficace possible. Le paludisme est une maladie mortelle. Donc, on ne soigne pas quelque chose qui va de toute façon passer, j'allais dire comme un rhume ou comme. C'est pas du tout la même chose. Il y a des centaines de milliers de morts chaque année, plus que le coronavirus aujourd'hui, mais chaque année et depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, voilà. Merci, merci beaucoup. Alors, on va tout de suite passer la parole à Marc Sokol. Parce que je pense que l'approche que vous allez nous indiquer, vous êtes vous-même thérapeute et vous utilisez le Qigong, le yoga, le Tao, toutes les énergies, et vous l'enseignez aussi. Donc, vous allez peut-être nous donner justement cette vision un peu d'ensemble et ensuite, on va repartir sur certains médecins. Alors, vous m'entendez? Très bien. Si je peux permettre rapidement, par rapport à ce que j'entendais tout à l'heure sur les difficultés relationnelles avec l'idéologie dominante par rapport aux médecines qui utilisent autrement, j'ai l'impression qu'il y a comme deux grandes manières de penser. Une que j'appelle, moi, dans mon langage à moi, je ne veux plus opposer pensée occidentale, pensée chinoise traditionnelle, mais une que j'appelle une pensée objective, c'est-à-dire celle qui domine en Occident, c'est-à-dire en fait qui voit le monde comme une succession d'objets et qui étudie les objets d'une manière géniale jusqu'à rentrer dans leur composition la plus intime, jusqu'à l'atome, jusqu'à l'intérieur de l'atome et tout ça, mais qui ignore par contre, enfin voilà, qui a des grands avantages, elle a modifié le monde, c'est tout ce qui fait notre pensée occidentale dominante, parce qu'il y a aussi de la pensée symbolique et poétique et initiatique en Occident, mais la pensée dominante, elle est là, et c'est à elle que semblait se heurter tout à l'heure qu'on semblait se heurter. Les deux problèmes pour moi qu'a ce mode de pensée dominant, c'est son arrogance, c'est-à-dire qu'il ignore complètement qu'il pourrait y avoir d'autres manières d'aborder le monde. Mais cette manière de penser produit une médecine, produit une vision du corps, le corps comme objet séparé, dont on pourrait séparer les membres, d'où une médecine de système, et avec même l'idée extraordinaire qu'on pourrait en changer, exactement vu comme une machine, dont on pourrait changer les éléments, voire même améliorer l'original, ce qui en ce moment est très à la mode. Il y a d'autres manières de penser, d'autres manières de sentir. La pensée traditionnelle chinoise ancienne en fait partie, mais il y en a bien d'autres, et elle existe aussi en Occident, où le monde est toujours vu en interrelation, où il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de notion de corps et d'esprit, il n'y a pas besoin de les mettre ensemble parce qu'elles n'ont jamais été séparées. Il n'est pas question de comment on va les faire relationner, est-ce que l'esprit influence le corps? Ça n'a jamais existé qu'il y ait un esprit sans corps ou un corps sans esprit,
c'est complètement du jaillissement. Du coup, on fait d'autres clivages pour agir dans le monde à partir, dans la médecine chinoise, de ce qu'on appelle des dynamismes, c'est-à-dire ce qui va vers le haut, ce qui va vers le bas, ce qui s'ouvre, ce qui, voilà, etc. On en fait 5 comme ça essentiellement, et dans lesquels il y a tout ce qui existe, aussi bien que ce soit, on ne se pose pas le problème, est-ce que c'est physique, émotionnel, corporel, voire spirituel, comme s'il y avait des options comme ça sur une voiture, mais un dynamisme global. Et on entre dans une logique qui n'est quasiment que stratégique, qui se soucie peu de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une vérité ultime, mais Jung, ça fonctionne. Voilà, c'est grosso modo, du coup, je me suis depuis 40 ans beaucoup plongé dans la médecine chinoise, dans toute la pensée de la stratégie chinoise. Alors, deux choses encore que je pouvais dire, c'est la première, c'est que le deuxième problème que pose pour moi la pensée objective occidentale, bon, c'est son arrogance, c'est-à-dire qu'elle se prive effectivement de toutes les autres manières, les autres sensibilités. Elle a quelque chose de très masculin, arrogant, hein, et qui ignorerait qu'il y a une manière plus féminine de rentrer en relation avec le monde. Là, je dis masculin, féminin, comme des grands archétypes, évidemment pas comme des notions d'homme et de femme, monsieur, madame. Et le deuxième peut-être problème majeur, c'est qu'elle fonctionne très bien, elle prend un objet, elle l'examine, elle zoome dessus jusqu'à l'atome, jusqu'à la Terre, tout ça le fait très bien, à condition que l'objet ait le bon goût de ne pas se transformer pendant qu'on l'examine. Or, justement, elle ignore totalement que l'objet que j'examine, le patient que j'observe, il est en train de se transformer, et moi qui l'observe aussi. Et on est toujours sur des notions de diagnostic qui sont images figées, c'est pour ça que l'Occident connaît très peu le temps. On va d'une immobilité, par exemple, on fait une analyse de sang, des choses comme ça, on sait exactement des choses à l'instant T, et puis un autre à un instant T prime, et on suppose une courbe entre les deux. Mais le mouvement interne, on ne sait pas y rentrer, parce que ça nécessite une autre manière de penser, moins définitoire. Il ne faut pas réclamer à la pensée chinoise ce qu'elle ne peut pas donner. On n'a pas de vouloir définir, même vouloir traduire. C'est pour ça que moi, depuis 40 ans, j'étudie en chinois sur les textes. D'abord parce que pourquoi les Chinois sont proches, je parle des Chinois de l'Antiquité, hein, je ne parle pas du tout de la Chine actuelle. Pourquoi il y a cette proximité? Parce qu'aussi, il y a cette écriture par idéogramme. Penser avec des images n'a pas produit le même rapport au monde et du coup la même médecine, mais aussi la diététique, par exemple, la nourriture. C'est passionnant de travailler sur les notions de plantes, on en parlait tout à l'heure, en termes d'énergétique, c'est-à-dire avec comme disait tout à l'heure, le chaud, le froid, les méridiens destinataires, etc. C'est notamment tout à fait passionnant de reprendre des plantes occidentales. Et, bon, l'artémisia est particulièrement utilisée chez les Chinois, on le sait bien, et de les prendre avec cette logique-là. C'est-à-dire, ça chauffe, ça va. Ce que faisait la médecine du Moyen-Âge et la médecine arabe. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas chinois en tant que tel, c'est humain. Voilà. Juste une dernière petite chose que je peux dire, si je peux parler de ma propre formation, j'y pensais en prenant ce qui est plus étrange pour nous, c'est que comme c'est moins une pensée qui sépare, celui qui agit, le thérapeute, il est partie prenante. C'est-à-dire que ma formation, si je prends mon petit exemple à moi, ce n'est pas pour parler de moi, mais certes, j'ai bossé comme un fou, comme disons un étudiant en médecine occidentale pour apprendre les méridiens, les machins, tout un corpus complexe mais qu'il faut apprendre. Parce que ça a une rigueur, ce n'est pas parce que je dis que c'est une pensée non définitoire qu'elle n'est pas rigoureuse. Elle a la même rigueur qu'un poète qui écrit un truc. Il dit un mot exact, il ne dit pas à peu près bleu. S'il a dit azuré, c'est azuré et ça porte tout un ensemble. Eh bien, en même temps, contrairement à la pensée dite objective,
comment ? Je termine tout de suite. La personne qui intervient, elle est présente, elle fait partie. Quand on prend les poux, par exemple, on n'a pas d'appareil, on est directement en prise. Et il faut pouvoir aller, j'allais dire, au-delà de la subjectivité, dans le sens où on est participant. Parce que de toute façon, du moment qu'on entre en relation. Et c'est pour ça que, par exemple, si je prends ma petite personne, la méditation et les pratiques corporelles ont été au moins aussi importantes que l'étude du corpus de la médecine chinoise proprement dit. J'ai passé des années, une quarantaine d'années, autant dans les pratiques pour essayer de devenir une personne qui soigne que dans le fait d'apprendre le corpus qui est extrêmement important et que, sur lequel j'ai travaillé. Et pour moi, par rapport à la médecine chinoise, le travail sur les textes, parce qu'il y a un aspect méditatif dans les idéogrammes qui crée une manière de relationner différente. Voilà. Merci pour cette vision. On reviendra tout à l'heure dessus parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à expliquer à ce sujet. J'aimerais, suite à ça, donner la parole donc à Chantal Vuillet, qui est stomatologue et qui va nous parler de l'homéopathie, qui actuellement est sous une attaque très violente, puisque elle sera déremboursée complètement le 1er janvier prochain en France, et que la ministre de la Santé de l'époque de cette décision a dit « nous allons mettre le temps à profit d'ici là pour faire de la pédagogie ». Alors la pédagogie, c'est vous qui allez la faire, docteur Vuillet, on vous écoute. Eh bien, bonjour, je suis très contente d'être avec vous. On n'est pas sous les grands arbres du parc de la Tête d'Or cette année, mais bon, la qualité est là quand même. Alors, moi, je suis donc médecin stomatologiste, j'ai fait pas mal de chirurgie. Pendant mon internat de chirurgie, j'ai appréhendé pas mal de choses parce que, des fois, j'étais limitée dans les thérapeutiques et je m'étais dit que plus ma palette thérapeutique serait importante et plus j'aurais de chances de soulager mes malades. Alors, évidemment, soulager, ça veut dire d'abord écouter, ça veut dire comprendre, ça veut dire aider, et puis ensuite soigner, et puis à la fin, guérir, si on peut. C'est pas juste quelque chose de primaire. Et je me suis aperçue qu'il y avait finalement autre chose que la médecine classique. Alors, il n'y a qu'une seule médecine, de toute façon, il n'y a pas 36 000 médecines, mais dans cette médecine, il y a ce qu'on apprend à la faculté de médecine, et à l'époque, on commençait un petit peu à prendre l'acupuncture, mais c'était le tout début. Et puis, ce qu'on peut essayer de regarder à côté, parce que les malades parlent en disant « tiens, j'ai vu ça, ça a l'air d'être pas mal, depuis j'ai moins mal », ou etc. Voilà. Et en écoutant ces patients, eh bien, ça m'a permis de comprendre qu'il y avait d'autres médecines et je suis allée me former. Alors, j'étais déjà formée en acupuncture, mais je me suis formée aussi en auriculothérapie et puis en homéopathie. Et en homéopathie, j'ai commencé par des choses toutes simples en chirurgie, c'est-à-dire que je donnais de l'arnica montana en pré- ou en post-opératoire, je donnais du phosphorus, je donnais de l'opium, etc., en basse dilution. Et je m'apercevais que ces malades, évidemment, ils allaient quand même nettement mieux quand ils se réveillaient, ça saignait moins, ils avaient moins mal, les complications post-opératoires étaient moins fréquentes, donc évidemment, ça m'a excitée pour continuer là-dedans. Et alors, donc, suite à ça, effectivement, j'ai fait de l'enseignement à la faculté de médecine de Lyon en homéopathie, j'ai également formé des médecins vétérinaires. Et c'est là où c'est très drôle, parce que ces médecins vétérinaires, il y en avait qui soignaient des chevaux d'ailleurs en homéopathie, mais d'autres, ils soignaient dans des îles un petit peu à l'autre bout du monde, des crevettes, des crabes, tout un tas de bestioles qui finalement psychologiquement n'étaient pas forcément très atteintes par l'homéopathie. Donc voilà. Donc, et ça marchait très bien. On a fait Solidarité Homéopathie, des cours avec des médecins vétérinaires qui donnaient leurs avis là-dessus, et on sait bien que ça marche bien. Actuellement, en homéopathie, moi, comme je suis médecin stomatologiste, j'utilise des choses toutes bêtes, comme le mercurius solubilis, des choses comme les parsulfures, enfin bon, il y a vraiment des choses très très faciles à utiliser.
Après, on peut aller sur des médecines, sur de la médecine homéopathique uniciste, qui évidemment est beaucoup plus intéressante pour le médecin, hein, puisqu'on arrive à travailler sur le terrain de la personne. Et d'ailleurs, au niveau du groupe lyonnais d'études médicales, au niveau du GLEM à Lyon, on a cette année repris une formation pour former des médecins et des thérapeutes en homéopathie, puisqu'il n'y a plus de formation à la faculté de médecine de Lyon, donc on est obligé de prendre des relais. Et on s'est mis avec le docteur Laurence Davot, qui fait partie de l'école de Vitulcas, qui est une école internationale d'homéopathie. On enseigne dans le monde entier. Donc, on a essayé de prendre le plus haut niveau, ces gens qui font de la recherche également. Alors, en plus, quand on se pose la question de l'homéopathie, ce qui est très curieux, c'est qu'à l'origine de la démarche homéopathique, il y a 2 siècles, eh bien, s'inscrit, cette démarche homéopathique, elle s'inscrit dans le mouvement parallèle et identique de ce mouvement qui va conduire à développer la vaccination. On est un peu dans le même module. Et puis, d'un côté, on est parti sur la vaccination, de l'autre côté, sur l'homéopathie. Mais en fait, la base est un petit peu la même. Et d'ailleurs, à l'époque, l'idée, c'était les médicaments ne peuvent guérir que les maladies analogues à celles qu'eux-mêmes ont l'aptitude de produire. C'est-à-dire que le médicament, c'est la notion du similimum, un médicament va donner, une plante va donner une pathologie et on va traiter cette même pathologie avec cette plante en dose infinitésimale. Et Claude Bernard, d'ailleurs, à l'époque, disait « la différence entre poison et médicament n'est qu'une question de dose ». On est encore dans la dose. Hein. Et l'un peut, selon le cas, se transformer en l'autre. Donc, ce qui prouve bien qu'en homéopathie, quand même, on est là-dedans. Et quand on voit que l'HAS, la Haute Autorité de Santé, fait tout un tas de travail avec l'APSI, qui est les allergènes préparés spécialement pour un individu, hein, c'est-à-dire qu'en allergologie, on fait de l'immunothérapie allergénique, et on administre à doses répétées des doses progressivement croissantes, hein, on le sait, dans les problèmes d'allergie. On prend un extrait allergénique qui est spécifique du patient et on va ensuite lui donner des doses petit à petit pour le faire en sorte qu'au bout d'un moment, ben, il ne soit plus allergique. Donc, c'est des choses qui sont actuellement reconnues. Donc, on ne comprend pas bien pourquoi l'homéopathie, petit à petit, je dirais, c'est un peu comme la moutarde qui monte au nez de ces gens-là, hein, parce que on est vraiment dans la même médecine, quoi. Il n'y a pas de choses différentes. On travaille sur le terrain de la personne, oui, mais un médecin, il est là aussi pour écouter, pour comprendre et pour prescrire. Et plus il connaîtra de médecines différentes, enfin de médecines, de traitements différents, eh bien, plus il aura d'intérêt pour soigner son malade et pour le guérir. Au niveau de la recherche, eh bien, la recherche en homéopathie, elle fonctionne comme n'importe quelle recherche. On analyse, on essaye de critiquer les points faibles, on fait des expériences, on émet des hypothèses originales et on arrive sur des concepts novateurs. La noire de l'eau, c'est quand même un concept novateur qui est tout à fait à fouiller, à expertiser. On n'a pas dit qu'on a tout compris, mais c'est une des choses qu'il faudrait continuer à comprendre. Donc, quand on voit le professeur Madeleine Bastide, que vous avez peut-être connu en homéopathie, qui a fait beaucoup de recherches avec le Giry, qui était une amie, eh bien cette femme, elle a fait des travaux remarquables, elle était pharmacologiste, donc elle n'était pas médecin, mais elle faisait des travaux in vitro avec des résultats absolument incroyables. Donc, actuellement, eh bien c'est vrai qu'on est très surpris de voir que l'homéopathie, tout d'un coup, ça nous a explosé un peu comme une bombe à la figure. Bientôt, on ne va plus être capable d'exercer. D'ailleurs, en Angleterre, petit à petit, on dit aux médecins homéopathes, non, il ne faut pas faire de l'homéopathie, hein, vous n'avez pas le droit, c'est illégal. On est arrivé comme ça, c'est-à-dire que légalement, on ne va plus pouvoir prescrire. Donc, c'est à mon avis un très, très gros problème de santé publique actuellement. Bon, on va voir comment on va se débrouiller pour se défendre, mais disons que là, on est vraiment dans un état de choc quand on voit que la moitié de la population, même plus de la moitié de la population, se soigne en homéopathie avec de très très bons résultats.
Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je veux que les autres aient le temps de parler. Merci. Et on sort d'une agora sur le pouvoir citoyen. Je pense que les citoyennes et les citoyens vont s'organiser pour justement être entendus sur ce sujet. J'aimerais poser une question tout de suite à Jérôme Boisard. Vous êtes, vous, ostéopathe. Ça marche comment, l'ostéopathie ? Très bonne question. J'essaye encore de m'en rendre compte après 10 ans. L'ostéopathie, c'est avant tout une médecine manuelle. Donc, la manière dont c'est classifié dans médecine allopathique, c'est qu'on va avoir le même rôle que les kinés, que les chiropracteurs. On est là pour intervenir sur le corps quand le corps souffre. Donc, la première chose que les gens vont nous dire quand on leur dit qu'on est ostéopathe, c'est « Ah, vous occupez du mal de dos ». Mais quand on revient à l'histoire de l'ostéopathie, qui est née en 1874, donc il y a plus de 150 ans, l'idée à l'époque, c'était d'être contre une médecine moderne dévastatrice qui était liée aux différentes guerres, à la guerre d'indépendance, à l'utilisation de médicaments extrêmement agressifs. Et le créateur de l'ostéopathie, qui était médecin pendant la guerre de sécession américaine, voyant les dommages des médicaments, a décidé de mettre en place une philosophie qui était basée sur le respect de la capacité du corps humain à récupérer par lui-même. Donc l'idée de l'ostéopathe, c'est de trouver, d'écouter le patient le plus possible afin de trouver les voies pour permettre au corps d'exprimer, ou si on veut, d'enlever les blocages, un peu comme des blocages sur une rivière qui bloquerait le courant, et permettre au corps de se réparer par lui-même. Donc, en quelque sorte, l'ostéopathie est née d'une réaction à une médecine à l'époque moderne, mais très rapidement a dû se mettre en action pour travailler avec la médecine moderne, puisque dans la plupart des pays où l'ostéopathie est pratiquée, parce qu'elle est pratiquée dans le monde de manière assez large, mais chaque pays la réglemente différemment, l'idée, c'est que l'ostéopathie, elle, soit... forcer en quelque sorte à collaborer le plus possible avec la médecine allopathique. Donc, on se retrouve avec une profession qui est extrêmement diverse en termes d'approche, avec différents types de pratiques de l'ostéopathie. Vous avez des gens qui vont se retrouver à pratiquer une ostéopathie très manuelle, d'autres qui auront une ostéopathie beaucoup plus subtile, voire même pour certains énergétique, donc en travaillant sur des flux quasiment imperceptibles. Et c'est là où l'ostéopathie, par son histoire, se retrouve un peu à la frontière entre une approche scientifique et une approche qu'on qualifie d'artistique, où il va falloir s'adapter le plus possible à la lecture qu'on fait du corps du patient. Donc si on revient au sujet d'aujourd'hui, qui est la médecine intégrative, qui est en fait la découverte récente du monde médical moderne de l'intérêt d'écouter le patient et d'essayer de regarder le patient comme un écosystème complexe, on se retrouve là avec une profession, une façon de faire qui dès le début avait mis le patient au centre de ses besoins et en essayant de trouver toujours la meilleure solution pour le patient. Et traditionnellement, alors légalement maintenant c'est plus possible de s'appeler comme ça, mais traditionnellement on était des médecins ostéopathes, c'était de la médecine ostéopathique, mais les changements en réglementation ont fait qu'on est donc limité au titre d'ostéopathe. On est là donc dans une médecine qui va chercher à trouver la meilleure solution. Et si on revient au concept de médecine intégrative qui sont en ce moment surtout développés de l'autre côté de l'Atlantique, on est un peu dans cette idée qui dit « Ok, regardons le patient, essayons de trouver la meilleure solution pour le patient ». Mais pour l'instant, le problème majeur qu'on rencontre tous, et qui a été déjà évoqué par d'autres aujourd'hui, c'est qui choisit quelle est la meilleure solution ? Comment va-t-on décider en commun quelle est la meilleure solution ? Et on voit là qu'il y a déjà des changements politiques, des changements législatifs, mais aussi des habitudes professionnelles qui font que ce choix des solutions n'est pas fait logiquement, il n'est pas fait scientifiquement. Il devient soit politisé, soit attaché, comme le disait Marc, à une vision très mécaniste, très liée à des organes, d'une vision du corps. Donc, le choix là de savoir ce qui va se faire le mieux, la manière dont on essaye de l'approcher en tant que profession, et là je parle pour moi et mon expérience, parce qu'évidemment c'est une profession extrêmement diverse, c'est d'essayer de parler le même langage que la médecine
qui est la plus proche de nous, c'est-à-dire les chirurgiens orthopédiques, les kinésithérapeutes, toute la structure qui gère les dysfonctions de la chair et des muscles et des joints. Et en développant ce langage et en faisant des recherches en commun, il y a eu au travers des années une espèce de respect qui s'est mis en place et une curiosité de ces professions pour ce qu'on faisait, puisqu'on arrivait à obtenir des résultats, notamment chez les patients qui présentent des problèmes chroniques, donc quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'accident, du membre déchiré, mais vraiment des problèmes chroniques avec des comorbidités, donc des maladies qui vont se cumuler, comme le surpoids, le diabète, des problèmes comme ça. Et on obtient des meilleurs résultats sur le long terme, comme toute la médecine non conventionnelle, puisqu'il y a toute cette écoute et l'essai de comprendre une complexité et de jouer dessus. Donc, cette philosophie d'ouverture et cette vision du corps humain comme étant capable de se guérir par lui-même, c'est un peu la base de, si on veut, tous les ostéopathes. Et après, ils vont varier en fonction de l'application. Donc, juste pour finir cette discussion pour aujourd'hui, le problème majeur que nous avons aussi en tant qu'ostéopathe, c'est que nous avons aussi des changements réglementaires pays par pays qui essayent pour la plupart de nous rapprocher le plus possible du rôle de kinésithérapeute dans une chaîne de traitement classique. Donc le docteur voit que le genou ne va pas bien, il envoie le patient chez un kinésithérapeute qui va traiter le genou. Et dans la plupart des cas, quand le problème ne vient pas du genou mais de la hanche, du pied ou d'autres problèmes dans le corps, on se retrouve donc avec un patient qui retourne faire une radio et le docteur qui dit finalement je ne sais pas trop ce que vous avez, donc vous allez prendre des médicaments puis vous allez vous débrouiller tout seul. Donc nous avons à nous battre régulièrement et notamment en Angleterre où je suis, il y a beaucoup de changements législatifs qui vont dans ce sens-là, qui essayent de restreindre notre côté créatif, donc l'ostéopathie crânienne, l'ostéopathie viscérale, toutes les approches des mouvements involontaires dans le corps qui font que parfois on peut régler un problème de dos en réglant un problème de digestion par exemple, et ce qui pour l'instant a du mal à être accepté. Donc la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que le gros travail qui je pense reste à faire aussi bien par les professionnels que par les citoyens, c'est d'agir, de faire du lobbyisme sur les changements réglementaires qui se font en douceur, mais qui nous poussent dans des retranchements qui ne nous permettent pas justement d'appliquer la créativité de notre approche artistique sur la complexité du corps humain. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous laisser méditer sur une question à laquelle vous répondrez un peu plus tard. Quand mon épouse revient de chez son ostéopathe et qu'elle me dit « il m'a trouvé de la colère », comment est-ce que vous arrivez à détecter ce genre de choses? Ce sera intéressant pour les uns les autres peut-être d'apprendre quelques-uns de vos indices. Voilà, je voudrais en attendant donner la parole au docteur Denis Moyen, qui est non pas dans sa qualité de président de Solidarité Homéopathie, mais pour qu'il nous parle de la physio-résonance, qui est une approche qui a été développée largement par le docteur Georges Philippi, qui a été lui-même élève de Paul Nogier à Lyon en auriculothérapie et de bien d'autres choses. Donc, Denis Moyen. Merci Jean, bonjour à tous. Parler de la physio-résonance, c'est aborder la médecine sous l'angle de la physique. Et la physique, en médecine, on connaît, on l'utilise en diagnostic, on l'utilise en thérapie. Les rayons X vont permettre une image, hein, une radiographie du poumon, et on pourra traiter ce poumon par une radiothérapie ciblée. La difficulté, c'est que ces signaux du corps sont extrêmement petits, extrêmement faibles. Ils sont imperceptibles, invisibles, on pourrait dire, d'où la nécessité d'amplifier ces signaux, d'avoir des capteurs spécifiques qui vont les rendre visibles, qui vont les rendre perceptibles. C'est-à-dire rendre explicite ce qui est implicite. Les ondes du cerveau sont là, elles existent, mais il nous faut un appareil pour les amplifier, pour les révéler
et les enregistrer sur un papier. C'est l'électroencéphalogramme. Idem avec l'électrocardiogramme. Un des moyens d'amplifier un signal, c'est de le faire résonner. La corde de la guitare ou la corde du violon exprime peu de choses. Mais si on rajoute une caisse de résonance, alors on va entendre la vibration. L'IRM pèse plusieurs tonnes et coûte des millions ou même sans doute des milliards. C'est la résonance magnétique des noyaux de nos cellules qui donne une image de ce qui se passe à l'intérieur du corps. La physio-résonance coûte nettement moins cher. Elle a recours aussi à la résonance en interposant simplement des filtres sur le trajet des émissions de nos organes intérieurs. De fait, nos cellules sont vivantes. Les molécules, les atomes, les électrons bougent, ils échangent. Nos cellules ne sont pas isolées. Autour d'elles, il y a des informations. Autour d'elles, il y a des ondes électromagnétiques, bonnes, mauvaises ou neutres. Un organe malade fonctionne mal, il va produire une onde électromagnétique anormale, trop forte, trop faible ou déviée, ou même une onde qui ne lui correspond plus du tout, qui ne correspond plus du tout à son organe de base. Un foie en stéatose ou en hépatite va produire un signal totalement différent de ce que doit donner un foie normal en bon état. Bien sûr qu'un tissu, un virus, une bactérie va s'exprimer par une onde électromagnétique et on va pouvoir agir dessus par une opposition de phase, par exemple. Mais ce même tissu, ce même virus ou cette même bactérie va s'exprimer aussi par ce qu'on appelle une information pure. Cette information est alocale et atemporelle. Elle est donc puissante et agir à son niveau aura une grande importance. Un autre domaine de la physique quantique est la notion de cohérence. Avec un simple filtre insulaire, c'est-à-dire la présence sur un support de l'information insulaire, qui est une petite structure du cerveau, nous allons pouvoir détecter rapidement ce qui est cohérent ou pas dans le corps. Ce qui sort de la cohérence, c'est la pathologie. Pour vous donner une image de ce qu'est la cohérence, on pourrait prendre un vol des tourneaux ou un banc de poisson. Il y a une synchronicité dans le mouvement, dans le temps, dans l'espace, lorsqu'ils tournent tous en même temps et dans le même moment. La physio-résonance est le résultat d'un long travail de recherche du docteur Georges Philippi à Marseille, conforté à son expérience clinique. Il s'appuyant sur la base de découverte du docteur Paul Noget, comme l'a dit Jean tout à l'heure, avec l'auriculomédecine, le pouls, le rack, les fréquences, les filtres de couleur ou les filtres d'organes, le docteur Philippi a développé non seulement ces notions de physique ondulatoire, électromagnétique liées au vivant, mais aussi, et c'est ce qui fait l'originalité et le grand intérêt de la physio-résonance, c'est l'utilisation des lois de la physique quantique. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps ou si... Peut-être Jean, si tu veux rajouter complètement. Oui. Bon, alors, je dirais deux choses. D'abord, on appelle ça physio-résonance parce que la perception
des signaux qui sont émis par le corps ou réémis par le corps que l'on amplifie, on va l'apercevoir sur ses propres artères ou sur ses propres veines. Les artères se tendent quand il y a un signal qui arrive dessus dans d'autres circonstances, elles vont au contraire se rapetisser, on pourrait dire, hein, pour essayer d'avoir un langage simple. Donc, on va ressentir sur son propre corps, et très exactement comme le fait un animal. Les Romains, quand ils faisaient leur conquête à l'époque de l'Empire romain, et quand les soldats se déplaçaient, ils observaient les chiens pour voir s'ils étaient agités ou s'ils étaient tranquilles, pour savoir s'ils pouvaient établir leur camp de base quelque part. Et bien, c'est parce que les chiens percevaient en résonance, simplement, sur leurs artères, les ondes telluriques qui émanaient du sol. L'autre chose que je voulais simplement rajouter, c'est que cette utilisation de la physique dans la perception soit de l'état normal, soit d'un état perturbé de chaque tissu du corps, ça va permettre d'affiner les diagnostics, ça va permettre d'aller plus loin et ça va permettre donc de remonter souvent sur les causes, alors que très souvent la médecine, quelle que soit l'approche, est en but au fait de, on voit bien où sont les effets, mais remonter sur les causes, ça n'est pas facile. Et là, la physio-résonance donne un outil qui permet souvent de remonter sur les causes. Quelquefois, elle permet aussi directement de soigner parce que par le jeu de ces perceptions d'ondes, quand on les dévie d'une certaine façon, on va pouvoir quelquefois introduire des corrections dans la biologie. J'en dis pas plus pour le moment, on va revenir sur cette question. J'espère que, on attend toujours le docteur Jade Allègre qui doit nous parler de l'argile. Si elle arrive, qu'elle se manifeste, parce que je ne sais pas si on va voir son nom sur directement ou si elle utilise un autre nom pour son internet. J'aimerais peut-être maintenant qu'on passe à une autre dimension que la physio-résonance met très bien en évidence d'ailleurs, c'est toute la dimension émotionnelle qu'il y a dans un corps. Toutes les émotions viennent s'inscrire dans le corps humain. Et en parlant de cette dimension émotionnelle, il y a une technique dite de libération émotionnelle, en anglais EFT, Emotional Freedom Technique. Peut-être que Anne Boisard pourrait nous en parler. Un petit peu, oui. Bonjour très à bien. Tous. Avec plaisir, oui, c'est une technique que j'adore. Je suis hypnothérapeute et formatrice et praticienne en EFT, ou qu'on appelle aussi le tapping, parce qu'en anglais, tapping veut dire tapotement, et comme on simule quelques points sur le visage, le torse et les mains, pour l'appeler plus rapidement, au lieu de dire technique de liberté émotionnelle ou emotional freedom techniques, on dit tapping. Alors, je vais reprendre un petit peu là où vous vous êtes arrêté, parce que vous avez soulevé la question de la source à la cause des problèmes. Et en fait, l'EFT est un groupe de techniques, parce qu'il n'y a pas qu'une seule technique, mais qui est d'une efficacité redoutable à trouver la cause d'un souci. Alors, les gens peuvent venir nous voir pour un mal de dos, par exemple, pour une douleur physique ou émotionnelle. Et on se rend compte dans la pratique que les deux sont liés, que lorsqu'il y a une douleur physique, il y a souvent une source émotionnelle. Et que parfois, lorsqu'on parle d'une émotion, le corps se réveille et va montrer une tension, des picotements, des sensations de démangeaison. Enfin, voilà, le corps réagit. On est un, on n'est pas séparé, comme disait, je pense que c'était Marc qui expliquait que, en fait, oui, on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. Et voilà, alors ce que je trouve très intéressant avec l'EFT, c'est que on peut essayer de travailler sur tout. Alors je ne peux pas dire qu'on guérit ou qu'on soigne particulièrement, parce que je ne suis pas autorisée à le dire,
mais les gens viennent nous voir soit pour des effets secondaires suite à des médicaments, prise de médicaments, soit pour des problèmes de choc, de traumatisme. Peu importe la raison pour laquelle les gens viennent nous voir, au départ, la première chose, c'est de poser leurs émotions, de poser leurs problèmes. Et en travaillant, en tapotant, ils s'aperçoivent, ils se rendent compte parfois qu'une idée leur vienne, une image qui nous mène vers la source du problème. Et donc, ce n'est pas le praticien qui guide le client, mais c'est le client qui guide le praticien. On est guidé en fait par leur réaction. Si par exemple une douleur, un mal de tête se transforme en mal de cou, on suit la douleur et jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, qu'elle s'évapore et que le bien-être vienne, qu'il y ait un rééquilibre, que les blocages énergétiques disparaissent en quelque sorte. Moi de mon côté, je ne travaille pas directement avec des médecins, mais en revanche, les médecins m'envoient leurs patients quand ils n'arrivent pas à trouver vraiment un médicament ou une technique, une thérapie qui fait partie de la sécurité sociale entre guillemets ici. Il arrive que les médecins envoient souvent pour des maladies chroniques, des douleurs qui reviennent sans arrêt et dont on sait qu'il y a peut-être une source émotionnelle. Donc on ne sait jamais comment se termine une session, on ne sait jamais comment va se dérouler une session puisque chacun est unique et on suit le patient là où il nous mène. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas nous qui décidons d'un traitement pour tel ou tel patient. On ne va pas décider, vous avez X, je vais vous donner Y. On suit et on se sert aussi de l'intuition, de celle du client et de la nôtre. Parce que je trouve que c'est intéressant, c'est indispensable dans la vie de revenir à son intuition parce que toutes les découvertes, toutes les grandes découvertes sont parties d'une intuition, d'une idée peut-être folle et chaque patient sait ce qui est bon pour lui intuitivement. On ne travaille pas contre la médecine, c'est-à-dire que nous, par exemple, moi j'ai des patients qui viennent, qui sont traités en chimio ou qui ont d'autres formes de maladies. Et souvent, ce qu'on travaille, donc évidemment, je ne dis jamais d'arrêter un traitement, mais ce qu'on travaille, ce sont les effets secondaires, le changement de goût dû à certains médicaments, le goût métallique dans la bouche. On essaye de faire en sorte que le patient se sente bien, mieux, se sente mieux, arrive à gérer les douleurs, arrive à gérer les nausées. Et le client va apprendre la technique et va s'en servir quotidiennement. Et dès qu'un symptôme va se manifester, il va s'en servir pour l'apaiser. Donc en fait, je ne peux pas dire que l'EFT est vraiment accepté par la médecine. On a pas mal d'études qui ont été faites sur l'EFT. Pour la dépression, l'EFT, le stress, l'EFT et le stress post-traumatique. On a énormément d'études qui se mettent en place et qui font en sorte qu'en fait, les praticiens sont de plus en plus écoutés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont acceptés, mais ça devient, on va dire, c'est moins étrange comme technique. On en parle dans les médias, on en parle sur les terrains de sport, on voit des sportifs avant de faire une compétition tapoter un petit peu pour se détendre et se concentrer sur leur course, soit les matchs de foot. Enfin, voilà, ça devient une technique j'ai les mots anglais, je suis désolée, je vais jouer à Jane Birkin à l'envers là, mais bon, je vais essayer. Donc une technique qui devient connue en fait, voilà. Reconnue. Mais,
reconnu moins facilement par les médecins, mais quand même beaucoup de médecins se forment à l'EFT, et tant mieux, beaucoup de psychothérapeutes aussi, parce que c'est une technique qu'ils peuvent rajouter à leurs outils et qui les aide à se diversifier, à avoir plus de... Voilà, une plus grande trousse médicale, exactement. Voilà, mais voilà. Alors c'est tout à fait ce qu'on souhaite. En fait, c'est que certains médecins, comme vous dites, sont très, très intelligents et envoient leurs patients chez d'autres qui vont pratiquer certaines approches. Et comme ça, ils peuvent mettre à profit tout ce qui existe, alors que d'autres se limitent et limitent aussi ce à quoi leurs propres patients ont accès. C'est dommage. On espère que beaucoup nous écoutent et nous écouteront dans les jours qui viennent, les ouais. semaines qui viennent, en rediffusant notre session, et qu'on va avoir de plus en plus de collaboration entre les uns et les autres. C'est tout à fait ce qu'on voilà. souhaite. Ce que je voulais rajouter, c'est que quand même, c'est une technique qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, ni en Angleterre ni en France. Donc c'est quand même il y a une barrière quand même à l'accès. Ceci dit, d'habitude à cette époque de l'année, on est sous les arbres au Dialogue en Humanité à Lyon et on pratique la technique avec un groupe de personnes. Alors quelquefois on a 20 personnes, d'autres fois on en a 80. Il est arrivé de monter jusqu'à 90 à chaque session. Et je pense que c'est une chance pour l'EFT de pouvoir fonctionner aussi bien en traitement individuel qu'en traitement de groupe. Et que l'énergie est créée par le groupe fait en sorte que ça devient aussi une thérapie qui est beaucoup plus abordable. C'est-à-dire que quand il y a un traitement de groupe, les gens vont payer moins cher. Et s'ils travaillent sur une thématique, par exemple le stress ou les douleurs physiques, etc., je pense que c'est une façon de mettre cette technique un peu plus à la portée de tout le monde. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Tu voulais poser une question, pardon ? De toute façon, rassurez-vous. Nous sommes en train de travailler justement si les uns et les autres ont recours à cet ensemble de choses dont nous parlons, ça va faire diminuer de toute façon drastiquement les coûts de la santé dans chacun des pays où ça va être pratiqué de cette façon-là. Et donc, ça va devenir possible qu'il y ait des prises en charge de toutes ces approches, parce que si on fonctionne de cette façon-là, on va avoir une meilleure santé, un meilleur bien-être. Donc, si jamais le docteur Jade Allègre nous a rejoint, je lui demande de se manifester parce que je ne vois pas son nom sur l'écran et je ne sais pas si elle utilise un pseudonyme sur son site. Entre-temps, donc je ne l'entends pas. Bon, donc on va demander à Arnab Chaudhuri d'intervenir. Alors, certains ont déjà entendu parler des traitements par les sons, mais il y a au-delà des sons, tout ce qu'on peut appeler un yoga de la musique. C'est pas merveilleux ça? Donc, Arnab Chaudhuri va nous en parler. Bon, bonjour. Oui. Ce que je voulais rajouter, c'est que du coup, après Arnab, il est 18h passé là. Donc après Arnab, ça peut être le moment d'échange entre tout ce qui a été dit, qui est extrêmement riche, et peut-être c'est important de se garder au moins 20 minutes d'échange. Arnab. Ah, ok. Alors bonjour ou plutôt bonsoir de Pondichéry. D'abord, je suis un explorateur de la conscience avec le yoga de la musique, les mantras, les mudras, les asanas, les postures, la respiration, méditation et le sommeil.
Alors, le yoga dans tous ses éléments. Et je suis compositeur, enseignant et chercheur et musicien. Je représente la troisième génération d'une famille de musiciens classiques indiens. Nous sommes basés à Pondichéry. Et j'offre des services de formation, de thérapie, de la composition. J'ai grandi à l'ashram de Sri Aurobindo, à Pondichéry, et je fais membre de leur comité de recherche. Et je travaille également avec la communauté d'Auroville. Et je suis fondateur du programme de formation qui s'appelle Know Your Rhythm. Est-ce que je traduis ça en anglais? C'est assez... Know Your Rhythm, c'est un programme de formation qui aide les participants à découvrir leur propre sens du rythme dans leur vie et dans leur travail. Et on fait des exercices immersifs, joyeux. On crée des conditions pour vivre des aha moments. C'est bon. Augmentant l'empathie, le travail d'équipe et la productivité, toujours dans une atmosphère de joie. Et via Know Your Rhythm, j'ai engagé, ça fait une dizaine d'années maintenant, surtout des caregivers, ce qu'on dit en anglais, ce sera plutôt, est-ce qu'on peut traduire ça comme des dispensateurs de soins? C'est ce que Google me dit. Est-ce que ça va? Bon, ce sont des enseignants, des étudiants, des thérapeutes, des gestionnaires, des administrateurs et surtout des patients. Et je donne des conférences et d'ateliers en Inde et en Europe surtout. Et notre programme de formation est certifié par l'Association internationale des thérapeutes de yoga. Et mes compositions de musique sont appliquées pendant les études avec les chirurgiens, avec d'autres thérapeutes, des films documentaires, de théâtre, même des jeux d'ordinateur où on essaie de créer un changement de conscience. Et alors, quelle est mon perspective vis-à-vis la médecine intégrative? Dans la théorie et pratique de yoga, on suppose un axiome qui vient des anciens sages de l'Inde, qui est écrit dans les Védas, qui sont peut-être les plus anciens textes en sanskrit. On suppose que l'univers était né avec la vibration sonique. The Om. Ouais. Et continuant sur cette voie, on dit que le divin est en train de jouer avec soi-même. Il tombe ou descend dans l'inconscience pour remonter dans la conscience. Et que nous tous, la terre, les êtres humains, les éléments de la nature, nous sommes que des acteurs inconscients ou quasi conscients dans ce jeu. Ce jeu s'appelle en sanskrit lila. Et alors, on arrive au mot yoga. Le mot yoga est dérivé dans la racine yug, qui signifie joindre ou union. Le yoga est notre union avec notre soi. Ah, voilà. Avec là, j'entends un monsieur. Ouais. Et en Occident, le yoga est plus connu avec la pratique du hatha yoga, surtout les postures. Mais il y a une grande... le yoga est encore beaucoup plus que ça. Et qu'est-ce qui nous rend malades et qu'est-ce qui soigne? C'est tomber dans l'inconscience. Comment peut-on devenir conscient? Dans le cadre de Know Your Rhythm, on dit que si vous êtes conscient de vos rythmes et sous-rythmes, dans votre être, dans votre corps, votre esprit, il y a une forte probabilité d'être en résonance avec vous-même et de ne pas être malade. Et nous avons plusieurs sortes de rythmes, n'est-ce pas? Alors, on a des rythmes circadiens, rythmes du neurotransmetteur, des hormones comme dopamine, les ondes cérébrales. Et en dehors de nous, on a les rythmes extérieurs du jour, de la nuit, des saisons, du temps. Et
Alors, bien les exercices que j'enseigne, c'est plutôt de calmer l'esprit, calmer le mental surtout, et de ne pas avoir des éléments différents. Ce que Marc nous a dit au début, c'est d'avoir une vision, une pratique intégrale. Et est-ce qu'on peut écouter notre propre orchestre de vie et devenir un acteur conscient dans le jeu du yoga? C'est ce que j'essaie. Alors, idéalement, la médecine moderne doit être un support dans cette aventure de conscience. C'est ce que je pense. Une dernière pensée. La pandémie actuelle est notre chance de poser cette question. Pouvons-nous écouter en tant qu'individu et membre de collectif et prendre la responsabilité de trouver notre tribu unique et collectif avec la belle médecine moderne tout en équilibrant notre ancienne science de thérapie? Et est-ce qu'on peut s'arrêter pour un moment pour vivre un moment de silence suivi d'un homme? Oui. Pouvons-nous imaginer que nous sommes à une époque avant le début de l'univers? On peut fermer les yeux si vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et c'est formidable parce que Jade Allègre, finalement, docteur Jade Allègre nous a rejoint, arrivé de Bordeaux avec ce train qui était en retard. Merci d'être là. Nous allons vous écouter avec beaucoup de bonheur parce que ce que vous avez à dire est absolument renversant. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Eh bien, Jean voulait que j'intervienne sur l'argile. Alors, c'est simple. Imaginez qu'on vous dise aujourd'hui, aux nouvelles de 20h, on vous dit qu'il y a un nouveau médicament qui est hallucinant parce qu'il va remplacer tous les antibiotiques et tous les anti-inflammatoires d'un seul coup. Alors, vous seriez prêt à payer très très cher pour avoir un médicament comme ça. Et en fait, il existe, c'est l'argile. L'argile est un anti-inflammatoire et donc en conséquence un antidouleur parce que l'inflammation est généralement due à la douleur, à la pression sur les tissus. Et elle est non seulement antibiotique, c'est-à-dire que non seulement elle gère les germes, les bactéries, mais elle gère aussi les virus, contrairement aux antibiotiques ordinaires. Donc, que rêver de plus ? En plus, elle est thermostable. Moi, c'est une qualité que j'aime beaucoup, la thermostabilité. C'est-à-dire que même si vous êtes au milieu du désert en Afrique, même si vous êtes à 60 degrés, elle ne va pas se dénaturer. Même si vous êtes au pôle Nord, elle ne va pas se dénaturer. Et elle a une date de péremption là, qui défie l'entendement, puisqu'elle a une péremption éternelle, en fait. Les gens me disent, j'ai trouvé dans ma cave de l'argile que j'avais achetée il y a 5 ans, est-ce que vous pensez qu'elle est détériorée? Je dis non, aucun problème, même si vous l'utilisez dans 50 ans, elle est encore bonne. Alors pour moi qui suis une voyageuse, parce qu'en fait j'ai commencé à voyager principalement pour l'humanitaire au départ. Parce que c'est vrai qu'en France, on ne peut rien faire. J'ai essayé d'aider en France. J'ai appelé Emmaüs, par exemple. Je leur ai proposé mon aide pour que les gens qui sont à la rue puissent se gérer au niveau santé efficacement et sans danger. Mais ça ne les intéressait pas. Eux, ils étaient beaucoup plus intéressés d'aller être hébergés quelques jours à l'hôpital. Ils n'étaient pas du tout dans une attitude de se prendre en charge. Et donc, ce qui fait que les circonstances m'ont finalement menée au Mali, où j'ai commencé à aider les gens à se prendre en charge, voilà, dans les villages, en particulier au niveau des diarrhées des enfants, puisque beaucoup d'enfants meurent comme ça. Et puis après, en fait, en Afrique, si vous voulez, vous pouvez facilement passer les barrières sociales, c'est-à-dire que vous pouvez facilement rencontrer un ministre pour parler d'un projet, mais je me suis dit quand même, ça serait mieux que j'ai une étiquette, de médecin, et c'est pour ça que j'ai commencé des études de médecine à 38 ans pour avoir une validation vis-à-vis de mes interlocuteurs.
et j'ai terminé mes études en faisant ma thèse sur l'argile, justement, puisque c'était le but du Schmilblick. C'est pour ça que j'ai fait tout ce parcours. Et en fait, j'étais sincère, c'est-à-dire je me disais, on va voir, je vais passer 9 ans dans la médecine chimique, je vais pouvoir voir si l'argile est à la hauteur par rapport à la médecine chimique ou pas. Et voilà, et non, elle est beaucoup plus intéressante par ses côtés de polyvalence, de sûreté. Alors, elle a des tas d'effets secondaires, l'argile. Hein. Quand vous mangez l'argile, vous avez des tas d'effets secondaires. La seule chose, c'est que ce sont toujours des effets secondaires positifs. Par exemple, vous prenez l'argile pour soigner votre estomac et tout d'un coup, vos infections urinaires récidivantes s'arrêtent. Vous prenez de l'argile, je ne sais pas, parce que vous avez des gaz tout le temps, que vous êtes très ballonné, que vous faites des indigestions. Et tout d'un coup, j'ai eu le cas récemment, une personne qui avait commencé à prendre l'argile pour le coronavirus, qui m'écrit que c'est une femme, qu'elle avait fait un test, vous savez, le frottis, pour voir si on a un cancer du vagin. Elle avait fait le frottis. Et puis, le frottis était à 4 sur 5, le cancer étant à 5. Elle refait le frottis après un mois d'argile parce qu'on lui avait demandé de faire un contrôle de frottis. Et là, elle est à 2. C'est-à-dire que l'évolution cancéreuse a été stoppée. L'évolution vers le cancer, hein, soyons clairs, pas l'évolution du cancer. Voilà. Moi j'aime beaucoup, et alors c'est vraiment une médecine sûre, c'est-à-dire que tout le monde l'utilise, les animaux l'utilisent, même un petit bébé, moi ma propre fille en a mangé à partir de l'âge de 3 jours, donc même un enfant peut en prendre en toute sécurité. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si vous prenez une argile d'origine, elle est parfaite. Mais si vous prenez une argile qui, par exemple, aurait été polluée par une usine qui se serait installée à côté, bien sûr, elle va être toxique parce qu'elle aura pris les polluants. Mais une argile naturelle qui n'a pas été trafiquée, elle est toujours absolument parfaite. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de plomb parce qu'il y a du plomb qui a été trouvé dans certaines argiles. Il faut savoir qu'il n'y a jamais de plomb dans une argile au naturel, jamais. Donc, c'est du plomb qui a été apporté après par pollution de cette argile. En général, ce qui se passe, c'est qu'ils font passer, ils mettent l'argile dans de l'eau, ils les font passer dans des tuyauteries, et ces tuyauteries étant en plomb, eh bien l'argile va devenir contaminée par du plomb. Mais au naturel, elle n'a pas de plomb. Au naturel, tous les animaux de la planète en mangent. Et tous les gens de la planète en mangent, et dans des quantités très importantes, puisque, par exemple, il y a un peuple sur l'Orénoque qui, pendant 3 mois de l'année, s'en mange 3/4 de kilo chaque jour. Donc, 3 mois de suite, 3/4 de kilo par jour. Alors, quand vous rencontrez des gens qui vous disent « Ah non, si j'en prends une cuillère à café, je vais mourir », je crois qu'il y a un léger décalage. Voilà. Merci. Merci infiniment. On ne peut pas être plus clair, hein. C'est absolument formidable. Donc, vous voulez réagir, docteur Veuillet? Je vous vois lever la main. Je me remets en. Oui, bah écoutez, moi, je suis très très heureuse d'entendre ça parce que c'est vrai que j'avais un oncle qui vieillant, qui est mort il y a très très longtemps, qui effectivement se soignait que comme ça. Et il paraissait être un original, mais finalement, bah, autant que ça. Puisque ça semble être très efficace. Merci. Alors, moi, j'aimerais juste dire quelque chose. Alors, ça concerne l'homéopathie, avant qu'on finisse, parce que pendant qu'on parlait, là, j'ai retrouvé quelque chose qui est très intéressant et qui corrobore vos dires. C'est-à-dire que à l'époque, en 1835, il y avait le ministre qui s'appelait Louis-Philippe Guizot qui disait « Si l'homéopathie est une chimère ou un système sans valeur propre, elle tombera d'elle-même. Si elle est au contraire un progrès, elle se répandra malgré toutes nos mesures de préservation. Et, alors c'est là que c'est important, et l'Académie doit le souhaiter avant tout autre. » Elle qui a la mission de faire avancer la science et d'encourager les découvertes. Donc, actuellement, bah, l'homéopathie, ça fait plus de 200 ans, ça fait 200 ans que c'est connu, et c'est parti dans le monde entier. Maintenant, c'est parti de l'Allemagne, mais maintenant, c'est partout. Donc, a priori, il faut voir que ce n'est pas une chimère. Et ce qui est très scandaleux, c'est que l'Académie de médecine devrait au contraire s'y intéresser. Au lieu de mettre ça, on a fait l'enseignement de l'homéopathie
sur beaucoup de facultés de médecine en France pendant des dizaines d'années. Et tout d'un coup, ben, on arrête tout. Les gens qui étaient soignés en homéopathie à l'hôpital, on ne peut plus les soigner non plus. Donc, voilà, c'est vraiment pas citoyen hein, comme action. C'est très, très curieux d'ailleurs. Voilà, je voulais simplement dire ça parce que ça corrobore un peu ce que tu disais tout à l'heure. Mais, tout à fait, alors, formidable. Moi, j'invite alors tout le monde parce que ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, ce que le docteur Denis Moyen nous a pas dit tout à l'heure, c'est que dans le livre du docteur Philippi, La physio-résonance, que tout le monde peut se procurer, vous allez sur Internet, vous trouverez La physio-résonance, comme vous trouverez aussi le livre du docteur Jade Allègre sur les soins par l'argile, vous donnerez le titre tout à l'heure. Eh bien, là, il y a une démonstration par la résonance de l'effet de l'homéopathie. Et c'est très intéressant parce que, comme disait tout à l'heure Denis Moyen, on peut prendre les choses sous un angle ou sous une autre, mais c'est les mêmes choses qu'on regarde sous des angles différents. Et c'est ce qu'on a fait là, en faisant le tour entre l'Artémisia noire dont nous a parlé Lucille Condé-Vernet, entre l'homéopathie dont vous venez de nous parler, toute l'énergétique, ce que nous enseigne la médecine chinoise que dont Marc Sokol nous a parlé, l'ostéopathie, l'EFT, les sons, etc. Tout ça, c'est des approches d'une même chose. Et on regarde sous des angles différents, et c'est vraiment en combinant les choses qu'on a tout à y gagner. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent intervenir maintenant. Une question de Sadia et Sabi. Oui. Enlevez la petite main. Oui, pardon. Oui, bonjour à tout le monde. Je vous ai écouté depuis le début. C'est vraiment super intéressant. Merci pour ces informations. Moi, je suis une simple citoyenne cuisinière depuis peu, hein, parce que j'ai changé de métier. J'ai travaillé pendant 20 ans en psychiatrie adulte et aide-soignante. Mais je me suis formée un peu plus dans le comportement et la schizophrénie. Mais bon, je l'ai quittée au bout de 20 ans pour devenir infirmière, enfin pour devenir cuisinière, pardon, pour soigner les gens par la cuisine, en fait. Et moi-même, je suis afghane, donc j'ai quitté l'Afghanistan très tôt, toute seule, et j'ai attrapé, au fait, on m'a trouvé une myasthénie en 2002. Et au fait, on m'a fait juste des analyses et tout ça, et on m'a enlevé le thymus, on m'a mis sous plein immunosuppresseur, enfin bref, tout ça, que ça m'a rien fait. Et c'est en cheminant moi-même toute seule, en essayant d'accepter tout le mal que j'avais de venir d'Afghanistan, le deuil de mes parents, d'avoir été adoptée, l'inceste et compagnie, que j'ai moi-même trouvé toutes ces choses-là. Et ben aujourd'hui, la myasthénie, je ne prends plus le traitement. D'ailleurs, mon neurologue me dit qu'il faut quand même que je fasse les examens. Je le fais pour la rassurer, mais pas moi. Et effectivement, j'ai changé des choses dans ma vie, que ce soit au niveau émotionnel. J'ai réglé les choses que j'avais de mon passé. Et malheureusement, les médecins d'aujourd'hui, heureusement, ils sont complémentaires. Mais pour moi, c'est des mécaniciens d'une voiture. Donc, ils règlent, il faut qu'ils interviennent parce que quand on a un accident de voiture, quand c'est déchiré quelque part. Mais par contre, il n'y a plus de médecins, il n'y a pas beaucoup de médecins qui tiennent en compte la globalité de l'humain, en fait. Parce qu'on n'est pas qu'un corps physique. On est un corps physique, émotionnel, spirituel, psychique, tout ce qu'on veut. Et ils ne tiennent pas en compte. Moi, quand je vois aujourd'hui, par exemple, par rapport aux vaccinations pour mes enfants, j'ai énormément de questions. C'est moi qui apprends des choses à mon médecin traitant. J'ai découvert, par exemple, pendant le confinement, l'EFT, parce qu'il y avait le 10e congrès de l'EFT que j'ai pu découvrir, parce que c'était gratuit pendant le confinement. Ça m'a énormément apporté. J'ai appris la matrescence, par exemple, qui est la naissance d'une mère, où on n'en parle jamais, alors que c'est une étape importante d'une femme, parce qu'elle passe de la femme à mère. Et vraiment, ce tapping sur ce matrescence m'a travaillé énormément. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait pleurer. Et je trouve dommage que toutes ces choses-là ne sont pas prises en charge, vraiment pas du tout prises en charge, alors qu'on donne des millions et des millions à Big Pharma et qu'au fin de compte, ils nous rendent malades plus qu'autre chose. Parce que je vous dis, quand c'est un accident, quand c'est quelque part d'ouvert, ok, on vient nous coudre, ça fait le mécanicien qui fait ça, heureusement qu'ils ont appris ça, mais ils ne tiennent pas en compte la globalité des choses.
Moi, on m'a quand même opérée pour un appendicite aigu alors que j'étais enceinte. Et à la fin, qui m'a opérée, il m'a dit, bah, écoutez, il n'y avait rien. C'était juste vos ovaires qui étaient gonflés. Voilà, peut-être... voilà. Donc, du coup, j'étais enceinte, pas bien, parce que, bon, bah, du coup, si c'est extra-utérin, enfin, bref, personne ne pouvait rien me dire. Et en fin de compte, je me suis trouvée face à sept messieurs qui m'ont dit, bah oui, mais on était obligés de regarder parce que, voilà, mais bon, il n'y en avait pas, effectivement. Bah, merci. C'est quoi cette réponse? Enfin, voilà. Donc, c'était juste pour dire qu'il faut que ça soit complémentaire parce que c'est tellement important. Par exemple, là, en ce moment, je découvre le Tao. Ça parle énormément de choses, des chakras, enfin, de tas de choses que je découvre de ce que vous dites. En Afghanistan, je suis afghane. Ma mère, elle me donnait toujours du badiane parce que j'avais mal au ventre. Elle me mettait du bleu de méthylène dans la bouche parce que j'avais mal à la gorge. Elle lavait les légumes avec le permanganate, un truc violet. Voilà. Et toutes ces choses-là, en fait, je le savais, mais je les ai zappées. Je me suis dit, ah non, ils sont trop arriérés en Afghanistan. Et par les plantes, par les machins. Ici, c'est mieux parce que, voilà, on a mal quelque part. On nous donne ça. Tu as mal à la tête. Ah bah tiens, tu prends un doliprane et point. Mais au fin de compte, ça passe la douleur parce que ça bloque voilà, le truc, mais ça ne va pas au fond. Alors, ça reviendra. Donc, effectivement, c'est dommage que, bah, qu'on ne peut pas se battre. Comment on fait? J'ai une question. Comment on fait en tant que citoyen pour se battre pour que bah, même l'OMS, quand on regarde par qui ils sont financés, bah, ça fait peur. On se dit bah, à qui on va croire. Donc, du coup, est-ce que tous les praticiens qui sont conscients de tout ça peuvent pas faire quelque chose, même avec les citoyens, on signe un truc, on dit, bah, bon sang, bah, allez, on y va, on soigne les gens, on est capable de se auto-soigner, on a tout à l'intérieur de nous, par le rire, on a le même effet que le cannabis, donc pourquoi est-ce qu'on nous enseigne pas, pourquoi on nous apprend pas tout ça? Voilà, pardon, j'avais tout ça à dire. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage, oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent réagir? Bon, sachant qu'on a encore à peu près 7 minutes. Donc, s'il y a des... Oui, Christine? Tu n'as pas le micro. Ça ne marche pas. Ouais, ça y est. Oui, pendant cette pandémie, on a bien vu le pouvoir des lobbies, de la désinformation, etc. Il y a des actions qui sont entreprises contre l'ordre des médecins, contre le gouvernement et autres, et qui vont sûrement aboutir à des non-lieux, mais c'est un scandale parce qu'effectivement, la majorité de la population qui s'est un petit peu renseignée, eh ben, a compris qu'on pouvait se soigner soi-même, qu'il y avait d'autres manières de faire et que les lobbies pharmaceutiques font la pluie et le beau temps auprès de nos dirigeants, mais qu'ils n'ont pas la science infuse, quoi. Et comment faire pour que ces actions aboutissent et pour écouter ceux qui ont le savoir dans ce domaine-là et pas ceux qui ont le pouvoir, quoi, simplement. Un pouvoir illusoire et qui est démenti par des tas d'expériences, quoi. Est-ce que je peux compléter ta question, puisqu'on a là des représentants de différents types de médecine alternative? Est-ce qu'il est possible d'envisager que tous ensemble, vous puissiez porter une action commune? Qu'est-ce qui veut bien essayer de répondre à cette question? Non, mais c'est un sujet important en réalité. Il faut que... On est en train de faire ce qu'on appelle au dialogue un temps de coopération-action. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, il y a un peu un prolongement sur tout ça, une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire. C'est tellement évident. Moi, je vais vous dire comment je suis arrivé à ça au tout début, hein, parce qu'après, il y a eu énormément de choses dans mon parcours qui m'ont amené là-dessus. Ma maman a été traitée pendant 3 ans pour des problèmes cardiaques. Médicaments, piqûres, etc. Jusqu'à ce qu'elle aille chez un médecin qui c'était les débuts, la chiropraxie, et il a repéré qu'en réalité, elle avait une vertèbre qui était déplacée, clac, 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 hop, terminé. C'est-à-dire 3 ans de traitement pour rien. C'était juste une vertèbre déplacée. Bon, alors, c'est là où on se rend compte que la médecine est un chemin d'humilité. Moi, quand un médecin, je vais voir un médecin, j'ai besoin de savoir qu'il me dise qu'il ne sait pas grand-chose. Contrairement à ce qui se passe pour la plupart des gens, le médecin doit rassurer et dit je sais tout. Mais on a un savoir qui est immense, mais qui est très petit par rapport à ce qu'on saura un jour. Donc, si on est dans l'attitude d'humilité, les choses vont aller, on va se débrouiller, on va y arriver.
Je voudrais donner la parole. Je sais que docteur Jadalé souhaiterait intervenir. Il y a aussi Alice qui a demandé la parole. Bonjour. Je ne sais pas si je laisse d'abord Jadalé parler, peut-être. Oui, vas-y. Alors, je me pose... Pardon. Allez-y, allez-y. Alors, je me posais la question au niveau de la physio-résonance. On connaît l'application et le bienfait des sondes binauraux et isochroniques et je me demandais pourquoi est-ce qu'on n'applique pas en pleine séance de physio-résonance comme appui la musique justement en tant que, voilà, histoire de la même manière où on rajoute l'encens pour accentuer les points d'acupuncture, le fait d'ajouter des sondes binauraux isochroniques ou voire même de rééquilibrer les chakras me semble quelque chose qui est, comment dire, pas assez mise en évidence au niveau de l'application de la biorésonance. Je pense que ça pourrait être intéressant de, voilà, d'appuyer ce type de traitement de cette manière-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Jean Favre. Ou docteur Denis Moyen. Vas-y, Jean. Je réfléchis pendant ce temps-là. Non, moi, ça me semble une suggestion tout à fait intéressante et intelligente. Et c'est un prolongement tout à fait de ce qui vient de se passer ici. C'est-à-dire que c'est sûr qu'en combinant plusieurs choses, on peut avoir des résultats meilleurs. La physio-résonance met très bien en évidence tous les points d'acupuncture, mais justement, quand on teste sur table un patient, on met des produits, des substances, on peut voir d'emblée si une huile essentielle va avoir un effet positif ou négatif. Et de la même façon, on peut tester un son, on peut tester d'autres choses. Donc, on peut très très bien, à mon avis, tout à fait combiner ça. Je dois même dire que dans une des séances que j'ai fait, il y avait une intervention manuelle d'une personne sur une autre qui marchait très très bien. C'est la mise en application de ce que certaines personnes d'entre vous font, probablement de techniques qui sont proches de ce que fait Marc Sokol ou de ce que fait Jérôme Boissard. C'est qu'on peut très bien mélanger à la fois ce que fait Arnab Chaudhuri avec les sons, ce que fait Jérôme Boissard avec l'ostéopathie, etc. sur une séance en physiothérapie, en physio-résonance. Pardon, la physio-résonance, c'est quoi? C'est percevoir une montée en puissance de quelque chose dans certaines circonstances. En réalité, quand en auriculothérapie, on touche un point dans l'oreille et qu'on perçoit tout d'un coup sur l'artère radiale qu'il y a une tension qui se produit, ben c'est bien ce qu'on fait. On combine quelque chose qui relève de l'acupression ou de l'acupuncture avec la perception en résonance. Donc, la suggestion d'Alice me semble extrêmement pertinente. Merci Jean, est-ce que tu veux conclure? J'aimerais quand même que Jadalé nous donne le titre de son livre là. Oui, et alors oui. Si tu veux, j'ai, pour le moment, je n'ai pas fait encore de livre sur l'argile, mais vous allez avoir une bonne surprise là, très bientôt sur YouTube, pour tous ceux qui s'intéressent au sujet. En revanche, j'ai fait un petit livre de survie qui avait un titre prémonitoire, puisque je l'ai sorti il y a 20 ans et qui s'appelait « Survivre en ville quand tout s'arrête ». Donc, ce que nous avons tous vécu au mois de mars, avril, mai. Voilà, donc c'est vrai que du coup, du jour au lendemain, j'ai reçu des centaines et des centaines de commandes, même la FNAC délire dans ses commandes, m'en commande 150 toutes les 5 minutes. Mais c'est vrai que je donne des bases sur 3 thèmes, c'est-à-dire boire, manger et se soigner. C'est-à-dire, la première chose, c'est si la ville s'arrête, il faut aller boire l'eau de la Seine demain et on n'a pas tous de pilules de chlore chez soi. La deuxième question, c'est manger. Si tous les magasins sont fermés et les systèmes d'approvisionnement capotent, comme on a été à la limite d'y être pendant le confinement, comment manger, quoi, avec rien? Et puis le troisième, comment se soigner quand les hôpitaux sont débordés et quand il n'y a plus d'accès aux pharmacies? Voilà, bon. Mais sur l'argile, c'est sûr qu'il faut apprendre. Il faut que chacun, il faudrait l'enseigner aux enfants à l'école. Déjà, leur dire qu'ils prennent des bons réflexes. Enfin voilà, je ne veux pas prendre plus de temps. Je vous remercie. En tout cas, c'est beau de voir toutes ces énergies ensemble dans le même sens. Voilà, et puis il y a une proposition que je trouve intéressante et qui pourrait conclure, c'est à quand une convention citoyenne sur la santé et notamment sur le maintien des médecines alternatives? Alors, je signale qu'en Suisse, il y a eu un référendum sur la question.
Alors d'abord, si tu permets Dominique, je voudrais faire une toute petite correction parce que je pense que nous n'avons jamais parlé de médecine alternative. Nous devrions parler intégrative. La médecine doit intégrer toutes les approches. C'est pour ça qu'on parle de médecine intégrative. Il ne faut pas opposer des approches. Il faut faire feu de tout bois avec discernement et intelligence. Et c'est exactement ça que l'humilité scientifique permet de faire et non pas le fait d'être complètement conditionné. Comme dans ces dialogues, il y avait juste avant une agora sur le pouvoir citoyen. Je voudrais souligner quand même que le pouvoir citoyen est énorme. On ne l'utilise pas comme on pense qu'il faut l'utiliser. Et on ne sait pas même qu'on peut l'utiliser. Et quelqu'un disait dans cette session qu'avec 3,5% de la population, on arrive à faire une révolution non violente. Alors, ce n'est pas tout à fait une révolution, c'est qu'on arrive quand même à obtenir quelque chose. Si vous dites à votre parlementaire, attention, si tu votes contre telle ou telle approche médicale, non seulement jamais je pourrais voter pour toi, mais je vais en plus dénoncer le fait que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Ils commencent à entendre quelque chose quand on parle comme ça. Mais si personne ne va chez eux pour leur dire « Attendez, vous êtes en train de faire une bêtise, vous déremboursez l'homéopathie, donc effectivement, maintenant on n'enseigne plus l'homéopathie à l'université, on impose des conditions sur les huiles essentielles, et il faut prouver entre 10 et 30 ans que telle huile essentielle a tel effet dans tel cas, etc., avant qu'on puisse la vendre en disant que ça soigne ça, c'est un torpillage. Donc, il faut être très clair. Si on ne dit rien à nos élus, si on ne dit rien à ceux qui sont candidats à gérer les institutions, ils vont continuer. Et ils vont continuer, d'une part, à entendre les puissances d'argent, et d'autre part, quand ils ne savent pas, à s'entourer de personnes qui, de toute façon, ont été formées par ces puissances d'argent. Donc, il faut qu'on s'organise. Et le docteur Jadaleg nous pose une bonne question. Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, j'espère qu'on va se structurer et s'organiser pour mener campagne, mais de façon stratégique. Il faut à la fois qu'on arrive à montrer que ce dont on parle, ce n'est pas des inventions, ce n'est pas du placebo. C'est vraiment des choses qui marchent, mais en même temps, il faut aussi dire, en tant que citoyen, citoyenne, on n'accepte pas la dictature qui consiste à éliminer tout ce qui n'est pas dans le champ de la doxa du moment. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qui domine, demain c'est une autre, après-demain, ça sera encore une autre. Donc, il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on se structure, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on monte des campagnes. Je me souviens toujours, au Dialogue en Humanité, il y a 2 ans, sur la question des vaccinations, il y avait une dame qui nous disait, on m'a exigé pour ma fille, qu'elle rentre à l'école, le directeur de l'école a exigé le certificat de vaccination. Et moi, je lui ai dit, je n'ai pas de problème à faire vacciner ma fille, mais vous me garantissez personnellement que comme résultat de cette vaccination précise, il n'y aura aucune séquelle, aucun effet secondaire. Parce que après, s'il y arrive quoi que ce soit, je vous tiendrai pour personnellement responsable. Mais imaginez que nous ayons, au moment où la décision, par exemple, de vacciner avec 11 vaccins, je ne suis pas contre la vaccination. Moi, je peux vous montrer mon carnet de vaccination. Je suis probablement plus vacciné que la somme de toutes les personnes qui sont dans cette réunion aujourd'hui. Je suis bourré de vaccins. Donc, je ne suis pas anti-vaccin sur ce principe, mais il faut vacciner à bon escient, de la bonne façon, avec le bon vaccin et au bon moment. Voilà. Alors, si nous avions, au moment où la discussion avait lieu à l'Assemblée nationale sur les 11 vaccins, tous et toutes, par centaines et par milliers, écrit à notre parlementaire, attention, nous vous tiendrons pour personnellement responsable des conséquences de ce que vous décidez. Donc, on fera une action de groupe si c'est nécessaire, mais dites pas que ça n'a jamais aucune conséquence. Si vous pensez que ça n'a jamais aucune conséquence et si vous votez sur cette base, sachez que si jamais il y a les conséquences,
vous irez devant les tribunaux. Jean, c'est le genre de choses qu'on fait jamais. Mais si on le faisait, peut-être qu'on aurait une chance. Alors voilà, j'invite à ce qu'on se concerte entre nous pour la suite. Merci. Eh bien, il n'y a plus qu'à se dire au revoir alors maintenant. Et à vous remercier tous pour ces interventions tout à fait passionnantes et qu'on, je pense qu'on n'a pas fini d'explorer. Au revoir. Merci. Puis tenez-nous au courant. Merci beaucoup. S'il faut qu'on signe. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Dominique. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon week-end. Et merci. Merci beaucoup. À Morgan Kerr et à Margot Trémolière qui nous Merci, Monsieur Fabre. Et tout notre amour.